Nous sommes dans les monts du Forêt, à 1000 mètres d'altitude sur le territoire de la commune de Valcivière, non loin de la ville d'Ambert située dans le Puy-de-Dôme. C'est ici que mon fils Clément et sa compagne Christelle ont trouvé, après plusieurs mois de recherche, une exploitation agricole à reprendre. Depuis longtemps, ils voulaient quitter la ville pour s'installer à la campagne afin d'élever des chèvres et fabriquer des fromages. C'est alors que je décidai de filmer les premiers mois de leur toute nouvelle existence. Ils s'installèrent dans cette ferme au mois de novembre pour s'adapter en profitant du repos hivernal des chèvres. Mais dès la fin janvier, l'activité reprend avec les mises bas. Pousse, petite, voilà, ça y est. Et pousse. Pas te le sortir tout seul. Christelle est née à Lyon. Après son bac, elle part à Lons-le-Saunier pour passer un BTS de gestion et de protection de la nature. Elle continue en suivant une formation de berger d'alpage et c'est pendant cette période qu'elle apprend la fabrication des fromages et des tomes de Savoie. Jusqu'à sa rencontre avec Clément, elle fait des remplacements dans des élevages de vaches laitières situés dans les Bouges et la Chartreuse. Clément est né à Paris où il passe son bac, puis il poursuit ses études pendant 2 ans à la faculté de biologie. Ne voulant plus vivre à Paris, il s'installe à Chambéry pour devenir accompagnateur en moyenne montagne. Après sa rencontre avec Christelle, il suit pendant 1 an au lycée agricole de la Motte-Servolex une formation pour obtenir un brevet de responsable et d'exploitant agricole. Afin de garder le lait uniquement pour la fabrication des fromages, le nouveau-né est séparé de sa mère dès sa naissance. Un monstre. Il a compris. Ben voilà. Thank you.
À table. Hop là. Tu vois aussi je dégourdis, moi. Tu peux pas rester du bon côté de la barrière, hein. Tu crois qu'elle a plusieurs cabris? Certainement, je sais pas. Encore qu'elle est là-dessus, mais elle est énorme. Ben là, donc il y a Foulard qui est par terre, là, qui est morte. Une chèvre qui est complètement soumise, quoi, donc elle se faisait taper par tout le monde. Là, depuis deux jours, elle avait plutôt envie de vivre. Donc elle s'est laissée mourir. Et puis... Combien de chèvres que vous perdez depuis le début ? Bah là, il y en a une autre qui est morte la semaine dernière et il y en a deux autres qui sont mortes au tout début, mais c'était pas encore vraiment. On n'avait pas fait la reprise encore. Il y avait encore Alain qui était là. Mais il y en a deux qui sont mortes fin octobre, je crois. Donc deux, ça fait quatre là, début de l'automne.
Donc bon, faut pas que ça continue parce qu'après on n'aura plus de chèvres pour faire du lait, quoi. Donc, faut qu'on fasse attention. La bergamote, elle est quand même dans une lignée épices, quoi. Cannelle, coriandre, réglisse. Épices. Oui, mais amaretto dans une. Bah, c'est une dans un truc contre, friandise, quoi. C'est une nouvelle lignée, peut-être. Peut-être. Friandise. Ouais, bah, pour bergamote, on essaye de trouver un truc. Une épice, quoi, s'il y en a une. Roger. Girofle. Ah, ouais. Là. Il y en a qu'une. Ouais, je crois, ouais. Ouais. 5. 6. Genièvre. Genièvre. Non, pourquoi pas, ouais. Attends, je regarde. C'est pas trop pour cyprès, tiens. Genièvre. Ouais, genièvre. C'est un arbuste. Ouais. Ben, c'est genévrier, mais genièvre, ça existe genièvre. Aussi. Vous pouvez me dire exactement ce que vous faites, là. On cherche les noms des chevrettes qui sont nées l'année dernière et qui vont mettre bas bientôt, là, dans un mois ou deux. Donc, ouais. Donc c'est à ce moment-là qu'on leur donne un petit nom. Quand elles font vraiment partie du troupeau quand elles ont mis bas. Et on cherche un nom en rapport avec... cohérent avec le nom de leur mère. Selon, il y a des petites lignées comme ça, lignées vêtements, lignées arbres. Donc voilà, on essaye de trouver des noms en rapport. Et là, cette année, l'année dernière, c'était la lettre G. Donc ça commence par un G. C'est par une belle journée ensoleillée qui marque la fin de l'hiver que les chèvres sortent pour la première fois malgré l'herbe rase. Pour écouler le petit lait issu de la fabrication des fromages, Christelle et Clément engraissent des cochons tout au long de la saison. Ils vivront en semi-liberté dans un grand parc boisé jusqu'à la fin de l'automne. Allez.
C'est bon. Pour arrêter le lait pour que ça bouge plus. Au début j'ai remué pour que la présure aille partout. Et ensuite on arrête le lait pour que le lait bouge plus, pour que la présure ça fasse pas des tourbillons dans le cahier. Isolée dans le laboratoire, Christelle s'attelle comme tous les matins à la fabrication des différentes sortes de fromages. Aujourd'hui, elle moulera une centaine de fromages.
Sous les nombreux orages de l'été, les chèvres n'ont qu'une envie, rejoindre au plus vite l'intérieur de la chèvrerie. Lorsque la quantité de lait est importante, Clément fabrique des tomes à pâte pressée. Grâce à leur affinage en quart, elles permettent d'ajuster les variations de la production de fromage. Dis-moi ce que tu fais. Voilà, je fais 20 petites et puis je pense que ça va faire 3 grosses. Là, je retourne tout de suite les tomes, tout de suite après les avoir moulées, pour qu'elles prennent bien leur forme. Donc après, là, cet après-midi, je les retourne dans les moules, et ça, là, j'aurai une face. Là, demain matin, je les démoulerai, je les mettrai sur le grill et je salerai la deuxième face.
Pendant que je filmais des paysages, j'ai eu la surprise d'être rejoint par deux petits cabris, visiblement sortis de leur enclos et qui essayaient de rejoindre leur mère. D'Ardica ici, c'est du champ d'Ardica. D'ailleurs au chômage, je ne sais pas si on peut arriver, mais derrière il y a énormément de voilà, c'est ça. Ah bah voilà, bah, ça c'est une prairie. Ah voilà. Il y a plus d'herbe après en descendant. Prairie à violette. On va y aller quand même. On peut y aller ? Aujourd'hui, grâce à la chambre d'agriculture, un technicien vient analyser la qualité de leurs parcelles et leur prodiguer quelques conseils. Là, ouais, là, ça le fait. Parce que, donc, on a les prairies les plus diversifiées, on va dire, de la zone AOP. Ouais. Après, si tu veux, il y a donc, plus d'herbe après, plus loin. On va descendre. Très bien. Alors, ça, c'est le type 7. Hein. Je pense qu'il devait mettre du fumier parce que la rhinampe, là, elle. Oh, si... De toute façon, si tu la vois qui devient vraiment dominante, il suffit d'amener un coup de matière organique, alors ouais. Tu peux amener un compost, tu peux amener, mais ça y est, ça peut être. C'est, ici on est les super. Les super. Ouais. Donc 1,2 plus 0,20, le 0,20 c'est 1,2 ça va être là, et 0,20 ça va être à l'autre jasserie, on ira voir. Effectivement, c'est apte à faire des fromages qui s'affinent longtemps et qui peuvent dégager des arômes. Et si par contre tu fais du foin à partir de cette prairie là, ouais. Bah tu perds énormément. Mais alors, le foin qu'on a fait ici l'année dernière, c'était de loin le meilleur. Le meilleur. Bah, j'imagine que les chèvres. Et pourtant on l'a fait super tard, on l'a fait 30 juillet, je crois. Et ce qui ressort, c'est qu'essentiellement des graminées de milieux très pauvres, type C, là, dominant,
ce matin, je t'ai montré un type de prairie où tu avais un temps d'exploitation très très court. Oui, qui était très court. Et là, c'est très très long. D'accord. Ouais. Voilà. Donc là, par exemple, parce qu'on a Pégrol et ici à Fauché, et ben, tu me diras ce que tu penses de Pégrol, mais je pense qu'il y a plus d'herbe ici que là-bas, mais je me dis qu'on va quand même peut-être commencer par Pégrol. Donc tu as intérêt à attendre que ça pousse. C'est pas comme à Job, on était tout à l'heure, où il fallait. Là, on avait tout intérêt à exploiter de bonheur, quoi. Non, celle-là, non, vaut mieux attendre qu'elle accumule un peu de biomasse, et puis après, tu l'as. En arôme, sur des fromages ou des trucs comme ça, c'est l'importance des dicotylédones, des plantes qui sont. Ils sont pas des graminées. Voilà, toutes les autres plantes qui ne sont pas graminées. Hein. Mais dans les dicotes, donc. Bah, l'Achillée millefeuille, la sanguisorbe, le fenouil des Alpes, ça c'est des plantes vraiment. Le thym serpolé, des choses comme ça. Plus la prairie est apte à être ramassée tardivement, plus elle va être favorable à l'extériorisation des arômes. En revanche, les prairies exploitées très tôt et de manière très, très régulière, avec des temps de repousse très rapprochés, là, c'est plutôt la couleur de la pâte qui va être bien ressortie. Il y a une zone humide. Tu vois, on retrouve la diversité qu'on avait tout à l'heure. Parce que c'est vrai que ces tiges-là, ça fait du. T'as l'impression d'avoir un foin qui est super fin, qui n'est pas grossier. Mais... Tout le rendement, il se fait dans les 10 premiers centimètres, enfin 15 premiers centimètres. Ouais. Hein. Ouais, parce qu'on envisageait quand même de choler. Bon, nous, on était partis sur une fois tous les 3-4 ans. Oui, mais 3-4 ans, ça suffit. C'est très largement quand même. Oui. Si, tu peux le. Ça peut pas faire de mal, mais si tu veux réveiller la parcelle, c'est plus l'apport de matière organique. Ouais. Mais ça, c'est prévu aussi. Bah en fait, tu fais comme ça, ouais, tu tournes autour, tu remontes. Ouais. Donc là, à chaque fois que tu passes, tu fais tout doucement. Ouais. Ça fait pas beaucoup de tiges. Non mais tu sais, il y a des pirouettes qui. Ouais, je sais, mais je regarde comment c'est dessous. Le matériel appartient au GIE des fromagers de Valcivière. Depuis plusieurs jours, chacun des membres vient former Christelle et Clément au maniement des tracteurs et des différentes machines agricoles. Au début c'est très bien, surtout dans la pente, c'est ce qui l'impressionne le plus et là on y est et du coup elle y va. Thank you.
Allez, allez, allez. Pour la première fois, ils se retrouvent livrés à eux-mêmes pour faucher une grande parcelle. Ils doivent faire vite, car le temps est très incertain et la pluie menace. Balou ! Balou ! Mais tu vois, regarde, tu vois, moi ce qui m'inquiète c'est ça là. Ouais. C'est le jeu. Ouais. Et les autres, ils ont quoi ? C'est que dedans il doit manquer des dents, moi je Les dents sont pas abîmées. Par contre, il faut la mettre au bon cran, quoi. Non, elles ont l'air... Elles sont bonnes ou elles sont usées et elles sont censées être pointues ? Ah. Parce que regarde comme elles sont plates par rapport à celle-là, là. Thank you.
Attends, attends, stop. Ouais, c'est bon, c'est ouais. Bon, c'est très bien. Très bien. Attends. Il y a ce petit truc d'égo, ça va être. Attends, je peux tenir la roue. Hein, voilà. Elle est enfoncée entièrement, la roue, ou pas? Attends, c'est là, qu'on pose, là. Ouais, il faut reposer, ouais. Ouais, ouais. Vas-y, je tiens. Je pense qu'on tient tout. Ouais. Ouais. Je vais baisser doucement, vous ne faites pas grossir quand même. C'est bon? La rigueur, mets le pas. Ouais, ouais. Si on trouve le moyen de se mettre en face, on le mettra après. Parce que là, c'est pas en face, par exemple. Si. Oh, ah, quasiment. Là, enfin, c'est en face. Ouais, mais voilà, c'est ouais. Ça. On va mettre la goupille. Attends, mais elle a un sens. Regarde. Il est rond. Il est vraiment ouais, mais c'est rond. Plat, là. C'est lisse. Ouf. Les doigts gras. Du coup, et là maintenant, si tu tournes à peine. C'est pas censé se lever ça. Non. Attends. Ah, voilà, tu mets comme ça, tu tournes ah, oui. Et après tu bloques. D'accord. Voilà. Comme ça. Bon. Je sais pas où il est le jeu. Il est dans le mécanisme ou quoi. Oui, après comme tu dis, c'est peut-être les dents qui sont usées à force. Du coup, elles sont moins. Elles prennent moins bien emboîté et puis paf paf. Quoi. Quand ça force, sauter, ouais. C'est quand ça force. De toute façon, c'est si la dent elle gratte trop dans la terre à un moment, ouais. Et ben, ou quand elle prend une motte ou je sais pas quoi, et ben ça saute quoi. Eh ben ma foi. Bah merci. Bah de rien. Bah merci, ouais. Allez. Bonne merci soirée. Bien. Dans le tracteur. On va dans le tracteur. Oui. On va au tracteur. Viens, Malou.
soleil quand il sort. Hein. Juste, il sort pas souvent. Ouais, c'est ça. Il pas sort trop, pas longtemps. La pointe là, on la fait en dernier ouais. quand j'aurai ramassé le reste. Ouais. C'est fou hein, parce que si le soleil sortait, ouais, franchement, 3 heures et en 3 heures. Ça va être bon, hein. Parce que là, c'est pas le soleil qui l'a abîmé, hein. Ça a pas brûlé les vitamines. Ça a été ? Ouais, et 20 bottes. Ah, c'est pas mal, hein. Bah oui. Thank you.
Donc là, je suis en train de faire des aromates pour le marché. Et donc on a quatre sortes. On fait aux 5 baies. Là, je suis en train de faire au cumin. On a à l'ail des ours et aux herbes de Provence.5h du matin. Aujourd'hui jeudi, c'est jour de marché à Ambert.
Après une demi-heure de route, Christelle arrive à Ambert. Le marché des producteurs a lieu sous les arcades de la fameuse mairie ronde, chère aux copains de Jules Romain. Une comme ça et une sec. Je vois ce que ça donne. Ouais. Voilà. Et là, une petite tome, ça fait quoi? Ça fait pas le kilo? Non, ça fait 300 grammes par an. Ouais, bah une petite tome. 380. Ouais, bah c'est bon. Ouais, ça donne. Voilà, si. Évite de faire changer. Bonjour. Une demi-grosse? Oui. Alors, 14,60. Merci. Merci, au revoir. Bonjour. Une brique? Une fraîche et deux sèches. Vous avez un petit sac, non? Oui, bien sûr. Je vais toper, éclat, je vais toper.
Ça doit être ceci là qu'on a mangé. Ouais. Allez, 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 allez! C'est le début de l'automne, un moment important pour la ferme. Le bouc va retrouver pour la saillie les chèvres en chaleur. Bon, je peux y aller ? Ouais, vas-y. Dans quelques mois, de nouvelles naissances viendront compléter ou remplacer une partie du troupeau. J'ai fait tout. Du coup, on fait quoi ?
conséquences. Le dragon, elle est arrivé. Non, pour l'instant, non. On essaye quand même. Dis pas non, tu vas taper, Gargamel. Non, mais viens pas vers nous, toi. Ah, mais il a pris, là. Il est en dessous. Ouais. Là, il est. Les chèvres vont bientôt ne plus avoir de lait, et donc plus de fromage, plus de petit lait. Les cochons profitent de leur dernier repas. Dans quelques jours, ils seront emmenés à l'abattoir. Alors, quel est le résultat de cette première année d'exploitation? Est-ce que tu es satisfait? Non, c'était pas une bonne année. Mais après, les années d'installation, on nous dit que c'est toujours difficile, mais je m'attendais pas à ce que ce soit aussi difficile quand même. On a eu pas mal de galères, notamment dues à la météo. Mais bon, ça y en aura tous les ans, donc voilà. Après, je dirais qu'on peut quand même partir plutôt positivement, parce que on n'a pas fait une bonne année, on a réussi à sauver les meubles. Et donc, si l'année prochaine, on a une meilleure année, ce qui devrait pas être trop difficile quand même, c'est que c'est plutôt positif, quoi. Qu'est-ce que ça dit? On doit payer plein de choses. Et toi, Clément, alors comment tu trouves cette année? Est-ce qu'elle est positive? On peut pas dire que l'année se soit bien passée comme il fallait, quoi. Comme c'était... Non, on avait pas mal de galères, ouais. Enfin, sur la météo, principalement la météo, des inondations dans le bâtiment... Non, ça a été galère, ouais. Pas mal de petits problèmes, quoi. Oui, l'hiver dernier, on a eu pas mal de casses au niveau des chèvres, pour des raisons différentes. Mais donc déjà, ça met le moral un peu en baisse dès le départ, quoi, dès qu'on arrive. Mais voilà, donc le fait qu'on ait moins de chèvres, eh ben, ça fait aussi moins de lait. Et tout, enfin, c'est un cercle vicieux après, donc. L'année s'achève, les chèvres vont passer l'hiver à l'intérieur, plus de traite, seules les distributions de foin vont rythmer les journées.
Tout au long du tournage, j'ai découvert en même temps qu'eux ce que sera leur vie future. Si le choix de transformer et de vendre eux-mêmes leur production est un atout, il leur faudra beaucoup de courage et de persévérance pour vivre de leur nouvelle activité à une époque où les petites exploitations agricoles sont menacées.